forêt était si feuillue qu'Azuro se demanda comment son ami avait pu se faufiler entre les branches sans perdre des tas de plumes. Il faut dire que Jippy était bien plus agile qu'Azuro, un véritable roi de la voltige. Le dragonneau fut surpris d'entendre une voix rauque déclamer. Quoi, un dragon, quel animal, c'est n'importe quoi. Lily et Azuro découvrirent un corbeau perché sur une branche. Tu devrais te méfier si elle croit que le dragon mange tes enfants et crache du feu. Et si je me perds, demande Archibald. Si tu te perds, répond son papa, ce n'est qu'un autre chemin. Et si je m'ennuie, demande Archibald. Si tu t'ennuies, répond son papa, rapproche-toi et observe, tu seras surpris. Et si le tonnerre gronde, demande Archibald. Si le tonnerre gronde, répond son papa, il ne déracine pas. J'y vais. Cette fois, c'est décidé, j'y vais. Maman, j'y vais. D'accord, mais enfile ce pull, il pourrait faire froid. Papa, j'y vais. Emporte cette lampe si jamais tu rentres tard. Mamie, j'y vais. Voilà des biscuits si tu as faim. Papi, j'y vais. Mais ma casquette, il y aura peut-être du soleil. Hey, j'y vais. J'y vais. Tiens, je te prête mon livre si tu t'ennuies. Les vacances de Monsieur. Les animaux du zoo, en vrai, c'est leur travail. Et de temps en temps, ils prennent un peu de vacances. Aujourd'hui, c'est au tour de Monsieur Rhino. Alors, il prépare une valise avec quelques affaires. Il passe dire au revoir à ses camarades. Pense à me ramener ce que je t'ai demandé. Le voyage de Rhino. C'est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. Il passait juste avant mon numéro. Blotti derrière le rideau rouge, je perdais mon trac et retrouvais l'enfance. Mes pitreries terminées, je le raccompagnais jusqu'à sa cage. Un soir, Oregon m'a parlé, comme dans les livres pour enfants. Conduis-moi jusqu'à la grande forêt, Duke. Sur le coup, je n'ai rien pu répondre. Mais... seule au fond de ma roulotte, j'ai su que sa place était parmi les siens, au fond d'une belle forêt d'épicéas. Qui sait, j'y rencontrerai peut-être Blanche-Neige. Un dernier tour de piste et nous sommes partis dans la nuit noire, sans bagages inutiles et sans clés qui déforment les poches. L'aigle trompeta. Ces créatures monstrueuses de maman avec la forêt de Rick et puis nous ressortir de sa gueule. Un jet de lumière éclaira son alarme tandis que des voix crièrent. Surprise! Jippy était là, au milieu d'une grande salle. Avec les habitants du village, tout le monde chantait « Joyeux anniversaire, rassure !»